toi. Fred, faut que j'y aille. Bon courage. Toi aussi. Bonjour. C'est vous la nouvelle substitut? Pas du tout. Brigade criminelle, SRPJ de Nancy. C'est vous qui avez l'enquête? Le parquet pense qu'à la gendarmerie, on n'est pas capable? Écoutez, vous devriez appeler mon boss. Moi, franchement, j'habite à 100 bornes. J'ai deux enfants et je rentre tout juste de congé maternité. Non, mais je comprends pas pourquoi on nous retire l'affaire, là. Je connais personnellement la victime, on est sur place, je comprends pas. Peut-être à cause de votre proximité avec la victime, justement. Bon, sincèrement, colonel, j'espère qu'on va pouvoir coopérer. Je suis pas là pour piétiner vos plates-bandes. On y va? Jean Mercier, 77 ans, il était maire du village de Besonvaux. Vous avez une idée de ce qu'il faisait dans les bois en pleine nuit, au milieu de nulle part? Vous n'avez pas vu le panneau Besonvaux en arrivant? Si, mais où est le village? La chapelle, la forêt, les ruines, c'est ça le village. Une des 9 communes détruites de la zone rouge. La zone rouge? Sortez d'où, capitaine? La bataille de Verdun, ça vous dit rien, 1916? La zone rouge, c'est l'ancien champ de bataille, des millions d'obus, encore non explosés. Tous ces trous-là, ce sont des trous d'obus? 1000 cadavres de soldats encore là, sous vos pieds. C'est ça, Verdun. Un cimetière géant. On marche sur des morts. Donc la victime était mère d'un village fantôme, c'est ça? Un village mort pour la France. Les maires de ces villages ne sont pas élus, évidemment, ils sont nommés. Pour qu'on n'oublie pas. Excusez-moi. Mais vous gênez pas, je vous en prie, faites comme chez vous. Oui, Fred, c'est pas trop le moment, là. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Et c'est l'homéopathie qui est dans la cuisine. Ok? Ouais, il faut vraiment que j'y aille là. Moi aussi. Je vais voir aussi avec Benoît qui m'envoie les empreintes là. Vous savez où est le colonel Mirande? Vous êtes la capitaine de la PJ? Oui. Alors le colonel s'excuse, il a une urgence. Plus urgent qu'une enquête criminelle. Désolé. Lieutenant Guillaume Barreau, c'est moi qui vais travailler avec vous. Allez-y. Ce sont les affaires de la victime? Oui. On est le 11 novembre, Jean Mercier est certainement venu se recueillir, regardez. Les cierges sont partis consumer. Sors pas sans sa veste par un froid pareil. Il a dû être dérangé et sortir subitement. La voiture garée juste devant le petit pont, faut la fouiller. Qui a découvert la victime? Alors les volontaires d'un chantier d'insertion qui entretiennent les sites de la zone rouge. D'anciens détenus? Ouais, ils sont venus couper des arbres, réhabiliter d'anciennes tranchées dans le secteur. Ils ont découvert Mercier vers 9h. C'est grand cette zone rouge? Ah bah ouais, près de 2000 hectares. Une zone sacrifiée,
Vous savez qu'on extrait encore des tonnes de munitions chaque année ici? La terre est complètement détériorée. Pollution au plomb, mercure, le gaz de combat. Mais c'est dingue, j'ai jamais lu ça dans les manuels scolaires. Où est le corps? Je reviens tout de suite. Apparemment, le corps a déjà été emmené. Non, mais je le crois pas. Qui a décidé ça? Je sais pas, mais il est parti pour l'autopsie. Où est l'IML? Ah ben, il n'y a pas d'IML à Verdun. Il est chez le chasseur de fantômes. Pardon? Ben oui, il est chez François Gilbert, l'archéologue. Sa spécialité, c'est l'identification de cadavres de soldats de la guerre de 14. Non, mais il est où, mon cadavre? Ah ben, à l'ossuaire de Douaumont. Je vous emmène. Non, vous vérifiez les alibis des volontaires qui ont trouvé Mercier. Ils ont tous à casier. On va pas jouer au plus fin, on va commencer par là. Oui, Fred. Non, rien, ils m'ont juste collé le bleu de service. Encore? Mais t'as essayé de lui donner... Quoi, maintenant? Bah oui, vas-y, mets-le au parleur. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Assistant. Capitaine Mérézy de la PJ, je cherche François Gilbert. C'est moi, vous êtes là pour Jean Mercier. Le corps a bien été déposé chez vous. Je vous accompagne. Vous avez une morgue ici? Pas vraiment. C'est là que transitent les squelettes des poilus que j'ai pu identifier. Ou pas. Je suis archéologue, mais il m'arrive aussi de jouer l'anthropologue judiciaire. Quand la police trouve un squelette, il n'y a que moi dans la région qui arrive à le faire parler. Le légiste est là, je vous laisse. Moi, je préfère pas. Comme vous voulez. Bonjour, capitaine Mérézy, la directrice d'enquête. Pourquoi vous avez enlevé le corps de la scène de crime sans mon autorisation? Mais le colonel Mirand avait vu le corps, j'ai suivi la procédure. Personne ne m'a informé. Je vous envoie mes conclusions, si vous voulez. Ah non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on a? Il est mort sur le coup. Probablement tôt ce matin. Et vu la rigidité du corps, je dirais entre 5h et 8h. Frappé à la tête par un objet lourd. Pas d'autre signe de blessure, il n'y a pas eu de lutte. Un seul coup asséné par devant. Des détails sur l'arme du crime? La boîte crânienne était salement enfoncée. Le coup a été asséné avec force. Pas par une pierre, sinon il y aurait plus d'écrasement. Et pas par un objet tranchant non plus. La plaie n'est pas assez dessinée. Il y avait plusieurs trous fraîchement creusés autour de la scène de crime. Vous pensez qu'il a pu prendre un coup de pelle? Oui. Un objet avec un manche assez long pour donner de la force au coup. C'est plausible. Oh, c'est vrai. Colonel, j'ai jamais vu une scène de crime aussi mal gérée. J'ai même pas pu voir le corps in situ. Désolé, capitaine, c'est un mauvais concours de circonstances. Non mais attendez, c'est bien vous qui avez autorisé la levée du corps. J'ignorais tout de votre venue. Hein? J'ai fait juste mon job, n'y voyez rien de personnel. Oui, bien sûr. Non, mais franchement, vous êtes en train de vous faire une parano. Nous, à la gendarmerie, on est ravis de collaborer, c'est dans notre culture. Je vous ai fait préparer un bureau. Fond du couloir, dernière porte à droite.
Vous verrez, vous y serez tranquille. Je peux vous accompagner, j'ai une réunion de sécurité à la préfecture. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous demandez à Barreau. Ça, c'est les conclusions du légiste. Ça va? Vous êtes bien installé? Après, c'est vrai que c'est pas très... Correct! Non, mais vous fatiguez pas, Guillaume. J'ai bien saisi le message, là. Pour l'ordinateur, le code Wi-Fi, c'est Cruchot, avec un T à la fin. Et je vous ai fait un petit café. Alors, j'ai fait un petit point. Alors, en fait, Mercier avait l'habitude de venir tous les 11 novembre à 7h célébrer l'armistice. Et les membres de l'association de réinsertion, ceux qui ont découvert le corps, qui entretiennent le site, prennent tous un bus qui vient les récupérer en bas de leur foyer à 7h30. Donc personne ne manquait à l'appel. Ils ont travaillé sur un autre site et sont arrivés à Besançon vers 9h. Donc c'est clair, c'est pas eux. C'est eux qui ont creusé tous ces trous? Non, ils étaient là pour élaguer les arbres. Tu sais où se trouve la mairie de Besançon? J'aimerais y faire un tour. Oui, à Verdun. Mais en fait, c'est juste une petite pièce au domicile de Mercier. Hein. Comme c'est un village sans habitants, il n'y a pas beaucoup de va-et-vient. Du coup... Et la voiture de Mercier, ça a donné quoi? Oh, j'ai oublié. Je m'en occupe tout de suite. Non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Chercher des papiers. Vous touchez à rien. C'est quoi ça? Une association. Jean était le président. Ensemble, on luttait contre les détectoristes. Quoi, des chercheurs de trésors avec des poils à frire, comme sur les plages? Ouais. Sauf que la zone rouge, c'est un sanctuaire. Ici, c'est considéré comme de la profanation de sépulture. Jean, c'était un ami. Les gendarmes m'ont appelé pour utiliser mon labo avant de transférer le corps à l'IML. J'étais en train de courir. J'ai voulu aller voir pour comprendre ce qui lui était arrivé. Et arrivé au monument mort, j'ai pas pu aller plus loin. Plus de jambes. Là, j'ai vu que la plaque en bronze du monument avait disparu. Elle a dû être volée cette nuit ou ce matin, sinon Jean aurait déposé plainte. Et là, il n'y a rien dans le dossier. Cette plaque, elle avait de la valeur? Un bas-relief des années 20 avec Maginot et ses patrouilleurs, ouais. Il y avait plusieurs trous creusés autour de la scène de crime. Vous pensez qu'il peut y avoir un rapport avec vos pilleurs? Ça peut, ouais. Les gens les a pris en flag. Rien que pour la plaque, ils risquaient 5 ans de prison ferme et 300 000 euros d'amende au bas mot. De quoi paniquer, non? Vous allez où, là? Parler à quelqu'un qui devrait être au courant. Oh! Ça suffit, les conneries, maintenant! Vous allez me conduire à cet informateur et c'est moi qui pose les questions. C'est clair?
qu'il y a? Vous avez peur des chiens? Non. C'est bon, il est pas méchant. Allez, Poilu, derrière. Poilu, et oh, derrière. Allez. C'est juste que mon fils est très allergique aux poils. C'est bon? Oui. Eh bien, allez. Pas une fille de la campagne, vous? Je viens de Nanterre. Comment vous avez atterri ici? Ça consiste en quoi, votre boulot? J'essaie de retrouver et d'identifier des soldats disparus. Demain, on devait commencer des fouilles à Besançon. On essaye de retrouver une ancienne infirmerie sur le front. Bah, vos fouilles, elles attendront. Mon Poilu, ça va? Allez, va dans la cuisine, va, on va te faire une gambelle. J'ai appris pour Jean Mercier. Je suis triste pour toi. L'antiquaire, il est là? Oui. C'est le plus gros de la région, spécialisé en articles militaires. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelqu'un a piqué la plaque en bronze du monument aux morts de Besançon. T'as pas une idée de qui ça pourrait être? Bon, je suis un honnête commerçant, d'accord? Faut arrêter de faire croire que je recèle le butin des pilleurs de tombes. Capitaine Mérézy, Jean Mercier a été assassiné la nuit dernière. J'ai rien à voir avec ça. En droit français, complicité vaut actes, vous savez ça? La victime, Jean Mercier, était un élu de la République. Ça veut dire que c'est la DGSI qui va s'occuper de vous. Et en ce moment, ils n'ont aucune patience. J'ai reçu un appel des frères Blouet. Tu vois qui c'est? Ouais, je vois bien. Qu'est-ce qu'il voulait? Bah, j'ai un client, un chinois, qui j'ai vendu une édition originale des carnets d'André Maginot. Bon, c'est un passionné. Il collectionne à peu près tout ce qu'il trouve sur le sujet. Les Blouet avaient une grosse pièce à lui proposer. C'est moi qui m'en occupe. Je vous sonne si j'ai besoin de vous. C'est bon, je viens d'avoir le bureau du procureur, il nous faxe le mandat de recherche. Demain à 7h, on perquisitionne au domicile des frères Blouet. Très bien. Guillaume va vous accompagner. Non mais attendez, on ne peut pas fouiller toute une maison à deux. Capitaine, c'est tout ce que je peux faire. Tout mon effectif est mobilisé pour un entraînement spécial de sécurité en vue des commémorations franco-allemandes. Faudrait demander ça à vos équipes. À la PJ. J'aime bien votre bureau. Surtout les fenêtres. Adé, on n'y arrivera jamais. Il faudra faire avec. Et pourquoi on ne demande pas au chasseur de fantômes de venir avec nous? Il connaît la plaque en bronze qu'on cherche, ça pourra nous aider. Voilà. Et nous, l'amour? Non, non, ça va, faut que je sois à l'opéra dans une demi-heure. Bah, laisse-moi prendre le relais, ça, tu vois. Oui, c'est bon, c'est prêt, la chérie. Ah bon? Hop, attends. Comment ça s'est passé, l'école? Bien, et toi, tu as réparé un voleur aujourd'hui? Non. Ça, c'est prévu demain. Allez, à table. Assieds-toi, ma chérie. Comment ça va, ton enquête? Bah, écoute, comme toujours avec les gendarmes, compliqué. Non, puis en plus, Verdun, c'est pas mal au bout du monde. Et du coup, je vais devoir rester un ou deux soirs de la semaine prochaine là-bas si je veux avancer. Oh non, chérie, je suis en pleine série de concerts, là. Oui, je sais bien, mais enfin, c'est pas moi qui ai choisi la scène de crime. Y a personne qui peut te remplacer à la PJ? Je sais pas. Et toi? Y a personne dans l'orchestre pour jouer du violoncelle à ta place? Mais Clara, il faut qu'on s'organise, là. Si mes parents doivent garder les enfants, il faut que tu me le dises. Je peux pas improviser avec eux. Mais franchement, ce serait mieux que ce soit toi qui sois là.
Ma mère est fatiguée en ce moment, c'est pas sûr qu'elle assure avec Quentin. Bon allez, je file. Moi, ça te met encore 10 minutes. Non, non, j'ai pas faim. Je vais y aller. Au revoir, ma puce. Au revoir, papa, maman, que j'aime à la folie. Non, t'es mignonne. Tu fais des jolis rêves, hein? Oui. D'accord. Tout à l'heure. Attendez, je vous ai dit. Non, non, non. Vous vous touchez à rien. Sinon, la perquisition sera invalide. Bon, bah, j'observe, alors. Vous avez vraiment rien d'autre à foutre. Y a rien par ici. Regardez, c'est avec des cartes d'état-major. On embarque. Il fait chier. Pardon? Vous avez dit quoi, là? Il vous sert à quoi, ce matériel? Promenade du dimanche. On ramasse quelques bricoles dans la forêt. Qu'est-ce que vous diriez si j'allais profaner la tombe de votre mère pour piquer ses bijoux? Quand vous ramassez une arme ou un bouton d'uniforme, c'est exactement pareil. C'est pas des bricoles. Vous vous acharnez sur nous parce qu'on vend quelques conneries dans les vides-greniers. Faut bien vivre. C'est sinistré ici. Du boulot, il n'y en a plus. Même les paysans, ils crèvent. Vous passerez au commissariat pour signer le procès-verbal. Pas de problème. Signer une feuille blanche. On n'a rien. Ils ont forcément du stock quelque part. Il est à vous, ce véhicule? Non, pas à moi. Vérifie. Oui, Amélie, c'est Guillaume. Tu peux me donner le nom d'un propriétaire? Je te passe la plaque. Alors, c'est DN031XV. Merci beaucoup, Amélie. Vous jouez sur les mots. Il n'est pas à vous, le véhicule, mais il est à votre frère. Et ce hangar, il n'est pas à vous non plus? Non, pas à moi. Pourquoi vous êtes garé devant? C'est interdit. Allez hop, ouvrez-moi ce hangar. C'est pas à moi, je vous dis. C'est blindé de matos. Un véritable arsenal. Non, non, avancez pas là.
quoi faire sauter tout le quartier. Laura, vous pleurez dans une minute, dans un instant. Alors ? Il y a au moins 10 tonnes d'explosifs à l'intérieur. Tous datant de la guerre de 14. Des obus de 75, des 155, des 210, la totale quoi. Des obus à gaz aussi ? Oui, et c'est inquiétant. Les détonateurs sont complètement rongés. Franchement, c'est une chance que le quartier n'ait pas été contaminé. Oui, aurait dû en poussière. Ça va prendre combien de temps ? Au moins la journée. Il y a pas mal de charges qu'on va devoir faire sauter sur place. Une personne à la fois. Vous pensez que le site est vraiment sécurisé ? Cette opération arrive au bon moment pour adresser un signal fort à tous ceux qui non seulement pillent le sanctuaire de la zone rouge, profanent la mémoire des soldats de la Grande Guerre et mettent du même coup en danger la sécurité publique. Je vous rappelle qu'il reste encore 15 millions d'obus dans la zone rouge ont encore explosé. Heureusement, grâce au service de la gendarmerie de Verdun, toutes les mesures possibles ont été prises pour assurer la sécurité des riverains. Merci beaucoup. Ben voyons, et la PJ, on lui laisse juste un placard à balai. Capitaine ! C'est pas ce qu'on cherche ? Si, c'est bien la plaque de Besançon. Vous n'avez pas louché le produit pour quelques palos ? 10 tonnes d'explosifs ? J'appelle pas ça quelques palos. Vous allez être accusé de la mise en danger d'autrui et également de trafic et de profanation d'un cimetière national. Conclusion, vous n'aurez pas besoin de vous chercher une maison de retraite. Ah voyons, puis c'est moi qui ai déclenché la garde 14 aussi. Balancer ces millions d'obus, puis envoyer tous ces malheureux au conspire. Oui, je vous en demande pas tant. Bravo pour l'opération de ce matin. C'est du bon boulot. Merci. Il va falloir être plus clair sur l'inventaire de vos recels et... Même si c'est plutôt le capitaine Mérisy qu'il faut féliciter. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous êtes rentré en possession de cette plaque commémorative. Vous la reconnaissez ? Jamais vu. Et là, vous le reconnaissez pas non plus ? C'est le monument aux morts de Besançon d'où provient cette plaque. Expliquez-moi comment ce bronze s'est retrouvé dans votre musée des horreurs. Je sais pas. Le seul problème, c'est que cette plaque a disparu au moment où Jean Mercier était assassiné. Vous n'avez pas me collé le meurtre de Mercier sur le dos ? N'importe quoi. Vous étiez où hier matin vers 7h ? Dans mon lit. Votre frère vous a entendu vous lever et partir en voiture vers 5h45. Vous êtes allé à Besançon et Mercier vous a surpris. Jamais j'aurais touché un cheveu de Mercier. Je suis un ancien sidérurgiste. Il y a 35 ans, c'est le seul avocat de la région qui nous a défendus et soutenus. Alors, respect. Merci avait peut-être de la considération pour les sidérurgistes, mais pas pour les pilleurs. J'ai pas tué, je vous dis. C'est moi qui ai volé la plaque. La veille, Prévost, l'antiquaire, il m'avait demandé d'y trouver des trucs sur Maginot, pour un chinois. À quelle heure étiez-vous à Besançon ? 6h. J'ai laissé la plaque au marteau et au burin. En un quart d'heure, c'était plié. Quand je suis parti, c'était 6h30. C'était le début des infos à la radio. Vous avez vu une voiture sur le parking près de la chapelle ? Bien sûr que non, il faisait nuit noire. Vous avez remarqué quelque chose de particulier ? Si, quand j'ai décollé la plaque, j'ai entendu du bruit. Au début, je n'avais pas fait gaffe. Ça venait de derrière la chapelle. Quel genre de bruit ? Répétitif. Comme quelqu'un qui creuse. Alors j'ai pas cherché à comprendre, mais je me suis tiré vite fait. Les frères Blouet vont être déférés ce soir à la maison d'arrêt de Bar-le-Duc et resteront en prison jusqu'à ce qu'ils soient jugés pour leur arsenal. Mais pour Mercier, j'ai le sentiment qu'il faut chercher ailleurs. Et vous pensez vraiment qu'il y avait quelqu'un d'autre en train de creuser à Besançon ? Sinon, pourquoi le sol aurait été retourné comme ça tout autour de la scène de crime ? Donc Mercier l'aurait surpris et se serait fait agresser. Si c'est le cas, le criminel a été interrompu dans ses fouilles et n'a pas eu le temps de trouver ce qu'il cherchait. Et l'un tient peut-être le mobile du meurtre. Bonjour, Paulie. Ça part à la cuve, tout ça. Ok, ça marche bien. Les ossements d'un poilu qu'on a retrouvé il y a une dizaine de jours, près du fort de Vaux. J'ai pas réussi à l'identifier, celui-là. Vous faites ça comment ? Comme vous, j'enquête, je recoupe les indices. Une plaque d'identité retrouvée, une ligne dans les archives militaires, parfois quelques effets personnels.
Il y en a plus de 20 000 qui attendent qu'on leur redonne un nom. Et que je prévienne leur famille. J'ai eu le parquet pour vos fouilles à Besançon. Je pourrais commencer dès demain. Merci. C'était pas les frères Blouet, mais quelqu'un d'autre est venu remuer le sol. Commencez vos fouilles par les abords de la scène de crime, d'accord? Je veux savoir ce qu'ils cherchaient. D'accord. Ok, j'arrive. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Faut que vous voyez ça. Thomas, passe des chaussons, s'il te plaît. Ouais, pas de problème. C'est un poilu? Non. On est loin des os éclatés et dispersés par une explosion d'obus. C'est un corps qu'on a enterré avec soin. Les os ont subi une phase d'effritement et d'usure, mais qui ne correspond pas à celle que je retrouve sur les soldats de la garde 14. On est plutôt sur une détérioration qui aurait moins de 50 ans. On l'aurait enterré ici, quoi. Dans les années 70, c'est ça? C'est ça. Et regardez. Le détroit supérieur de la symphyse pubienne, la crête pectinéale, la ligne arquée et le promontoire du sacrum forment un creux en forme de cœur. Vous voyez? Et ça, ça veut dire que c'est le squelette d'une femme. Vous avez trouvé des indices près du corps? Pas le moindre fragment de tissu, rien du tout. C'est ça qui est curieux. Le corps a dû être enterré nu. Je crois pas aux coïncidences. C'est elle que cherchait l'assassin de Mercier. Alors, brisure à droite, sur la côte flottante numéro 11. Et les côtes internales 10 et 8. L'apophyse styloïde du cubitus a été clairement endommagée, comme le trapèze, le grand os et le scaphoïde. Vous pouvez traduire? Fêlure multiple sur le côté droit et lésion sur l'os pariétal. Elle est morte d'un traumatisme crânien. D'autres précisions pour aider à son identification? Non, pour ça j'ai encore un peu de boulot, des prélèvements, des analyses. Vous avez les photos du squelette in situ? Ouais, sur mon bureau là, la clé USB. Vous les faites griller? Je les réchauffe au micro-ondes, meilleur. C'est normal. C'est une fauteuil de poilu, ça. On s'assoit, on se relève pas. Mais quelle heure il est? 19h30. Votre portable avait vibré. J'ai pas voulu vous déranger. Vous avez l'air bien. Oh merde, merde, j'ai pas assuré. Je suis désolée. Hein. Vous avez pu avancer sans vos prélèvements? Ouais. Notre inconnue mesurait 1m70. Elle est morte à 30-35 ans. Elle a été enterrée au début des années 80. Elle était certainement droitière, a fait une chute très violente, tentée de se rattraper. Mais elle est morte sur le coup d'une commotion cérébrale. Ah, ça va nous aider. Eh ouais, j'ai pas dormi, moi. J'ai bossé. Allô, Guillaume? Oui, tu peux me sortir tous les dossiers de disparition qui ont lieu dans les années 80? Et uniquement les femmes entre 30 et 35 ans. Il ne ferait pas y en avoir des tonnes dans la région. Merci. Faut que je prévienne chez moi. Vous enchaînez direct avec la paperasse? Vous avez pas faim? Si, mais j'ai pas le temps. Eh si. Vous venez avec moi,
Un truc rapide sur les pouces. Mademoiselle, je peux vous débarrasser. Merci. Ça va? Vous êtes sûr comment je suis ici? Je devrais peut-être rentrer en fait. C'est vrai, je pourrais bosser de chez moi plutôt qu'à la gendarmerie. En plus, mon fils fait toujours pas ses nuits. Il y a quel âge? 5 mois. Merci. Merci. Ouais, mariée, 2 enfants, un garçon et une fille. Heureuse au ménage, mère comblée, un mari toujours amoureux et attentif. Quoi? Ouais, t'es pas obligé de me brandir le bouclier de la femme mariée, tu sais. Je suis pas en train de te draguer, là. J'ai jamais pensé ça. Ah si, si, tu te dis qu'on est dans un resto pour PDG qui veut sauter sa secrétaire, et t'as pas tort. C'est même ça que j'aime bien. Bon vin, des jolies femmes, la vie, quoi. Moi, des fantômes. Je crois que j'ai pas été dans un endroit comme ça depuis des lustres avec Fred. Tu viens souvent ici? Ouais. C'est le meilleur resto du coin et puis j'aime bien y amener mon père. Et ta mère? Alors ma mère oublie, depuis que j'ai 5 ans, c'est une carte postale pour mon anniversaire, point barre. C'est ton père qui t'a élevé alors? Ouais. Tout seul. C'est mon héros. Mais bon, il est plutôt jeune, il va pas très bien. C'est con pour un médecin. J'essaye de profiter des bons moments. Christine Mandel, la fille du roi de la sidérurgie, a disparu. La piste de la prise d'otages n'est toujours pas écartée. Coup fatal pour la famille qui doit déjà faire face à un conflit social sans précédent. Oh merde! C'est quand même 1 heure de route. Du coup, ce matin, je bosse de la maison. Tu prends juste un café. T'as dîné hier soir? Je sais plus. Ouais, d'accord. Un sandwich, quoi. Ouais, c'est ça. Ça y est, t'es reparti à fond dans le boulot. Tu rentres à pas d'heure, tu manges des sandwichs. Bon, Fred, on va pas encore se disputer, si? Non. C'est cet endroit, cette forêt, cette zone rouge. C'est un tombeau à ciel ouvert, il y a un truc là-bas. Tu sais, pour moi, Verdun, c'est juste le souvenir d'une sortie scolaire où on allait en traînant les pieds, alors... Moi, ça me touche, tu vois.
trouve ça super important, le travail de mémoire. Hier, sur un monument dans Verdun, j'ai lu cette citation de Maurice Genevoix. J'aurai mon paradis dans les cœurs qui se souviendront. Maurice Genevoix. T'es émue par Maurice Genevoix? Oui, et alors? Qu'est-ce qui se passe, Clara, là? Qui t'a vrillé la tête? C'est Saint-Saëns qui est émouvant. T'écoutes? Qui peuvent correspondre au squelette de Besanvaux. Soit Christine Blondel, 30 ans, fille de l'industriel qui a disparu en 80. On va chez sa sœur là pour en savoir plus et faire un prélèvement ADN. Très bien, je m'occupe de l'autre. Oui, une campeuse disparue en 79. Elle venait de Carpentras. Je suis pas sûre que tu trouves un lien avec notre mère assassinée. Je vous tiens au courant, enfin, je te tiens au courant, Clara. Ok. Si tu voulais juste faire un test ADN, t'avais pas vraiment besoin de moi en fait. Bah, je croyais que ça t'intéressait de savoir qui était l'inconnu de Besanvaux. Non? La vérité, c'est que tu peux plus te passer de moi. Et ouais. Mais c'est elle qui a pris toutes ces photos? Oui. Juste avant qu'elles disparaissent. À l'époque, il y avait beaucoup de violence chez les sidérurgistes. Mon père a tout de suite pensé à un enlèvement. Il n'y a pas eu de demande de rançon? Non. On n'a jamais revu Christine. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Tout a changé après. Les usines ont été vendues, démantelées. Ces photos sont la mémoire d'un empire qui s'écroule. Vous connaissez cet homme? Je ne sais plus très bien. C'est Jean Mercier. C'est lui dont je vous ai parlé au téléphone. Il a été tué à quelques mètres de là où est enterrée celle qui pourrait être votre sœur. Ah, Jean Mercier. Oui, je me souviens, c'était l'avocat des sidérurgistes qui avait occupé un des hauts fourneaux que possédait mon père. Votre sœur le connaissait? Évidemment. Elle soutenait les syndicalistes. Elle a assisté à leur procès. Elle a même témoigné en leur faveur. Une vraie passionnariat. Mon père était fou de rage contre elle. Est-ce que je peux vous emprunter cette photo? Depuis 30 ans, j'ai toujours voulu croire qu'elle était vivante. J'ai très peur de ce que vous allez m'apprendre. Si Christine Blondel connaissait Jean Mercier, elle devait aussi bien connaître Nicolas Blouet. Il travaillait aux usines Blondel à l'époque. C'était un syndicaliste et Jean Mercier était leur avocat. Il nous a pas tout dit. Bonjour maître. Capitaine. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez quoi encore? Christine Blondel, disparue en juin 1980. On vient de retrouver son cadavre, enterré à Besanvaux. Ce qui nous fait deux cadavres dans un village où il n'y a plus âme qui vive, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Vous n'étiez pas seulement là pour le bronze du monument aux morts, vous étiez là pour déterrer ce corps car vous saviez qu'on risquait de le découvrir. Oh, du calme là, vous racontez quoi là? Capitaine, vous êtes en train d'accuser mon client d'un double meurtre, c'est ça? Votre client était seul sur les lieux au moment du meurtre. Et il connaissait les deux victimes. Alors quoi, juste une coïncidence? Bon courage pour expliquer ça devant un jury. Délirez complètement, ça peut pas être Christine.
Pourquoi vous dites ça? Pourquoi ça ne peut pas être elle? Qu'est-ce que vous savez à propos de ce corps? Justement, je sais rien. Monsieur Blouet, vous êtes notre principal suspect. Si vous savez quelque chose que l'on ignore, il faut nous aider. Pourquoi vous pensez que ça ne peut pas être le corps de Christine Blondel? Bon, mon client ne souhaite plus répondre à vos questions. Je vous conseille de le raisonner. On ne parle plus de vol, de trafic ou de recel. Il va être accusé de meurtre. Très bien, à vous de voir. Tenez ma carte. Si votre client change d'avis, vous avez mon portable. Ouais. Je suis désolé, Clara, mais en fait, je vais plus pouvoir t'aider sur l'enquête. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est Mirante qui m'a demandé de laisser tomber. Voilà, apparemment, il a besoin de moi sur un trafic de voitures volées. Je vois. J'ai vu le juge d'instruction là ce matin dans son bureau et apparemment Mirante m'agouille pour récupérer l'enquête. Ouais, bah, c'est pas nouveau. Enfin, t'inquiète pas, je vais me défendre. C'est l'avocat des frères Blouet. Hey Joe. Ça te regarde pas, t'es pas sur l'enquête. C'est l'avocat de Nicolas Blouet qui vous envoie. Pardon? Quel avocat? Je comprends pas. Vous êtes Christine Blondel. Laissez-moi. Votre sœur est inconsolable depuis votre disparition. Vous avez vu Alice? J'enquête sur la mort de Jean Mercier. J'ai appris sa mort par les journaux. Bon, je l'avais rencontré il y a des années. Par les gars du syndicat. C'est lui qui a réussi à sortir Pierre de prison après l'occupation du Haut-Fourneau. Pierre, c'était qui? Mon mari. Un sidérurgiste, un homme passionné. C'est pour lui que j'ai tout quitté. Jean Mercier était son avocat. Donc vous connaissiez bien Mercier? Ah bon, on s'est vu chaque semaine pour préparer le procès. Au début, il était plutôt hostile à mon égard. La bourgeoise et l'ouvrier, vous voyez le style. Mais mon histoire d'amour secrète faisait écho à sa propre vie. Lui aussi était tombé amoureux d'une femme mariée. Vous savez qui c'était? Personne n'a jamais su qui elle était. Oh, je pense que c'était quelqu'un de son entourage à Verdun. Je pense même qu'il connaissait son mari. Il était fou de cette femme. Mercier, mais il a complètement bouleversé ma vie. Comment ça? Bah, le procès était perdu d'avance. C'est lui qui nous a poussés à nous enfuir, à disparaître avant le verdict. Et vous êtes allé où? En Allemagne. Pierre avait des amis dans l'extrême gauche, ils nous ont hébergés, fourni des faux papiers. On a fait notre vie là-bas. Pourquoi vous êtes revenu? Mon mari est mort l'année dernière. J'ai voulu rentrer. Mais le seul que je revois, c'est Nicolas Blouet. J'ose pas reprendre contact avec ma famille. C'est difficile de revenir quand tout le monde vous a cru morte. Mais ne faites pas l'innocent! Je sais très bien que vous essayez de me piquer mon enquête. Alors si vous voulez pas que j'en réfère un haut lieu et que je fasse étalage de votre conduite merdique à mon égard, vous remettez Guillaume sur l'enquête maintenant et peut-être que je pourrais vous oublier. Faut vous calmer, capitaine. Je sais que pour les femmes, il y a des jours plus difficiles que d'autres. J'imagine que c'en est un. Si
si vous voulez, Barreau, il suffit de demander. Le téléphone sonne. Vous feriez mieux de répondre. Allô? Ah, François. J'arrive. Comment tu fais pour continuer tes fouilles avec un froid pareil? Tiens, ça va te faire du bien. Hop, hop. Je vous en sers un aussi? Non, merci. Ça vient tout droit de chez moi? Non, je vous remercie. Bon. J'ai extrait l'ADN du squelette. Il n'y a pas de concordance avec les fichiers de la police. En revanche, j'ai examiné les os à l'oxygène 18. C'est quoi? C'est une méthode pour étudier la radioactivité de l'eau bue avant la puberté. Ça reste fixé dans la dentition et dans les os. Si la personne, durant son enfance, est restée dans la même région, on peut savoir où elle a vécu. Et ça donne quoi? La radioactivité du squelette correspond à celle de l'eau de Thionville, qui est à moins de 100 bornes d'ici. Elle serait née à Thionville, c'est ça? 95%, oui. Tu veux pas rester boire un verre? Non, j'ai pas le temps, faut que j'avance. Merci. De rien. Jean Mercier a été tué à Besançon. Les trous creusés nous montrent que le meurtrier fouillait le sol. On sait maintenant ce qu'il cherchait. Le squelette d'une femme, âgée d'une trentaine d'années, est tuée en 1980. C'est quoi le lien entre ces deux meurtres? À la même époque, Jean Mercier a eu une liaison avec une femme mariée. Mais ça serait le corps de cette femme? Je sais pas, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Aucune femme signalée comme disparue ne correspond à ce corps. Il faut bien avancer quelques hypothèses. Et on peut pas écarter un lien entre Jean Mercier et ce squelette. D'accord, donc pour identifier ce squelette, on cherche une femme mariée dans l'entourage de Mercier vers 1980. Oui, et qui serait née à Thionville en 1950. Ok. Ok, bah je vais regarder la liste des membres du barreau de Verdun et celle du Rotary. Je sais que Mercier en faisait partie. Et aussi les abonnés du tennis club. On ratisse tous les endroits que Mercier fréquentait à l'époque. Ok. Et vous lui avez dit quoi au colonel pour que je vienne si vite? Des trucs de fille. Ah. Oui. Pardon. Je m'y ferai jamais. Femme mariée. 30 ans, appartenant à la bonne société de Verdun à l'aube des années 80. Merci, je vais recouper ça avec l'état civil de Thionville. Ok. Excuse-moi, je veux pas déranger. Hein. Mais non, je vais vous présenter. Clara, je te présente mon père, mon héros. Enchanté. Papa, le capitaine Clara Mérisy, dont je t'ai parlé. Bonsoir. Je veux pas m'imposer, vraiment. Non, mais j'allais m'en aller de toute façon. Je vous laisse. On se voit demain? Ouais, à demain. Il n'est jamais très bavard. Alors, c'est pourquoi? Oh, c'est juste comme ça. Pour me sortir un peu la tête de la paperasse. Eh ben, on va faire ça bien. Ah,
non, 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 t'embête pas, c'est juste comme ça, vraiment. Je m'embête pas. C'est pas la peine, laisse. Non, mais vraiment, c'était juste comme ça, enfin... Je suis content que tu sois là. Ma santé. Santé. Pas mal. Je vais rentrer à Nancy quelques jours. T'as pas bouclé ton enquête? On va se revoir. Toi qui arrives à la tombée de la nuit avec une bouteille. Tu me plais, Clara. Je suis désolée. Excuse-moi. Il vaut mieux que j'y aille. Je peux te prendre un peu d'eau dans la salle de bain? Deux autres soldats ont pu être dégagés, enfouis sous 2 mètres d'une glaise noire très humide qui empêche toute oxydation. Voilà, un des soldats qu'on a réussi à identifier. Il y avait de nombreux effets autour des ossements. Voilà, un couteau de poche. Ah, voilà un bon exemple. Leur semelle était cloutée. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Ce sont des brodequins modèle 1916. On a donc affaire à 2 soldats français. On a également retrouvé ceci dans une de leurs poches. C'est de l'alcool de menthe. C'est un remontant qu'on utilisait contre la fatigue et la peur. C'est quelque chose qu'on retrouve encore dans les salles d'autopsie pour éviter le malaise vagal des étudiants, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez bien ce que je veux dire. Nouvelle étudiante. Comment tu vas? Bien. On pourrait trouver un endroit plus calme, il faut que je te parle. Ouais? T'as avancé sur l'enquête? Oui, justement, c'est pour ça que je voudrais... Attends, excuse-moi. Thomas, j'ai une date pour ta soutenance. Passe me voir. J'arrive. Faut vraiment que je te parle. Qu'est-ce que t'as?
On a réussi à identifier l'inconnu de Besançon. C'est bien, non? Je sais pas comment te dire ça. Cette femme qui est enterrée depuis 35 ans. C'est ta mère. Tiens, regarde. Toutes les cartes qu'elle m'a envoyées d'Allemagne pendant plus de 10 ans. Pour mon anniversaire. C'est le seul signe de vie qu'elle nous a donné. J'ai jamais réussi à m'en séparer. Ça peut pas être elle. Tu sais bien que l'ADN ne ment pas. Super, merci. Et ça, putain, c'est quoi? C'est du vin? Pendant toute mon enfance, je me suis inventé la vie qu'elle avait. Ces cartes, je les connais par cœur. Je les ai relues 100 fois. Tu me dis quoi, toi? Tu me dis que pendant ce temps-là, elle était enterrée dans la boue à Besançon? Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête. Dis bien sa conviction, maintenant. François. Je vais découvrir ce qui lui est vraiment arrivé, d'accord? Je comprends plus rien. Qui les a écrites? Pourquoi? Elle est morte il y a 35 ans. Je suis paumé, là. Je vais devoir aller interroger ton père. Attends, là, pourquoi tu veux faire ça? Il est possible que ta mère et Jean Mercier aient eu une liaison. On pense qu'ils étaient amants. Oh, Clara, c'est quoi cette histoire-là? Tu vas aller raconter ça à mon père? Tu le laisses tranquille, s'il te plaît. T'imagines quoi, putain? Qu'il était au courant? Qu'il a pu tuer Mercier? Il est suspect, peut-être? Il est le seul témoin vivant qui connaissait à la fois Jean Mercier et ta maman. C'est un cauchemar. Tu me laisses seule une minute avec lui, s'il te plaît. Bien sûr. Je sais pas comment je vais lui dire. Je t'appelle quand il est prêt. T'arrives? Faut qu'on parle, papa. Faut qu'on parle? Faut qu'on parle de maman. Entre. Qu'est-ce que tu fous? Il est où, ton père? Il peut pas encaisser tout ça. Non, mais tu réalises ce que t'es en train de faire, là? Toi, tu réalises ce que t'as fait, là? T'es bien foutu de ma gueule, hein? Comment t'as fait pour mon ADN? C'était ta grande scène du 2, là, venir chez moi avec du pinard pour prendre ma salive? Super. Non, je voulais pas t'en parler tant que j'en étais pas sûre. T'es servi de moi, c'est tout. Je fais mon boulot.
Va falloir que tu me suives. Tu rêves. Écoute, ça suffit maintenant. Tu vas me suivre et on va perquisitionner le domicile de ton père, d'accord? Capitaine! Regardez. Tu me mets cette pelle sous scellé et tu demandes à la scientifique d'analyser ces traces de sang. Ok. Tu mets ça sous scellé? Allez. Capitaine, vous avez 24 heures pour retrouver Bertrand Gilbert. Au-delà de ce délai, je récupère l'enquête. C'est quoi ça? Encore une de vos magouilles? C'est le juge qui m'a appelé. Il est furieux. Pour quelle raison? Il trouve que votre proximité avec le fils du suspect nuit à votre travail. Ah, d'accord. Alors, vous avez complètement merdé sur ce coup-là, capitaine. À cause de vous, on a un suspect dans la nature. Ah, je n'y suis strictement pour rien. Adressez-vous directement au juge. Capitaine? Tout se sait ici, Verdun, une petite ville. Tu peux rentrer chez toi, mais tu dois pas quitter Verdun. Je sais. C'est le dernier fantôme que tu voulais déterrer. Il n'a pas bougé de chez lui. C'est lequel, son appartement? En premier, la fenêtre qui allumait là. Vous êtes jamais, enfin, t'es jamais allé chez lui? Non, pourquoi? Bah non, comme ça. Des fois, j'aime pas mon boulot. Ah, Clara, c'est pas de votre faute, hein. C'est lui qui a déconné, c'est lui qui planque son père. Oui, Fred. Combien il a? Oh, merde. Donne-lui 20 gouttes d'aspirine liquide. Ouais, le flacon est sur le frigo. Bah, si la fièvre n'a pas baissé dans une heure, t'appelles le médecin. Ouais. Fred, je suis en intervention. Il va falloir que je coupe mon téléphone, d'accord? Mais tu m'appelles, hein? Ouais, tu m'appelles pour me tenir au courant, d'accord? Ok, moi aussi, moi aussi. Là, ça bouge, ça bouge. Il a pas son chien? Tu crois que c'est un signe? Il a surtout un sac. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Mets pas tes feux. T'inquiète. Allez, allez, on se pousse là. Allez. Il monte vers la zone rouge. On fait quoi? Fais un tour. On le suit, mais à distance. Avec ce putain de brouillard. On va où? L'ossuaire. Mais oui, il y a que là-bas qu'il a pu planquer son père. Il est là. T'as raison, il va à l'ossuaire. Attends, 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 attends. Garde-toi au pied de la colline, là. On va passer par le cimetière pour pas se faire repérer.
t'apporter des affaires et à manger. J'ai pris ton billet d'Eurostar pour demain. Tu pars à 17h. J'ai eu Peter au téléphone, il passera te chercher à Saint-Pancras. La police sait que t'étais à Besançon ce matin-là. Je veux pas que t'ailles en prison. Je suis fatigué, mon fils. J'ai passé l'âge. Ça sert à rien de fuir. Si je dois rendre des comptes à la justice, alors... autant affronter les questions de la police maintenant. Écoute, papa, tu peux pas. Ton père a raison, François. Tu vas... Non, non, laisse, François, laisse. C'est très bien comme ça. L'historique de géolocalisation de votre téléphone nous a permis de savoir que vous étiez à Besançon au moment du meurtre de Jean Mercier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là-bas pour retrouver le corps de votre femme? Non, non, non. On va dire, Jean est venu me trouver quelques jours auparavant. Il voulait que je dissuade François d'aller faire des fouilles là-bas. J'ai pas compris, je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu que... il craignait que François soit bouleversé parce qu'il allait y trouver. Qu'il fallait absolument l'en empêcher. Je dois dire que j'ai pas dormi de la nuit, ces phrases m'ont obsédé. Alors vous êtes allé à Besançon? Ouais. Je sais pas ce qui m'a pris, mais... le lendemain, je l'ai suivi. Le soir, il est allé là-bas. Je l'ai surpris en train de creuser. Bon, évidemment, j'ai tout fait pour qu'il ne me voie pas. Mais je voulais essayer de comprendre par moi-même. Alors, le lendemain matin, très tôt, j'y suis retourné. J'ai essayé de voir ce qu'il cherchait. J'ai creusé là où il le faisait. Puis, soudain, j'ai entendu des bruits de pommes. Là. C'était lui, c'était Jean. On s'est engueulé. Et c'est là qu'il m'a dit ce que j'aurais jamais dû entendre. Jacqueline était là, enfouie dans le sol depuis 35 ans. Ils avaient été amants tous les deux. Il était fou d'elle. J'aurais jamais pu imaginer ça. Bon, d'ailleurs, elle n'a jamais voulu me quitter, ni même abandonner François. Alors, quand j'ai compris que c'était fini entre eux, il n'a pas supporté. Il a tout fait pour la retenir. Un accident, selon lui. Pour moi, c'était plus possible d'entendre tout ça. 35 ans à penser qu'elle nous avait abandonnés. Alors j'étais pris d'un mouvement de colère. Et je l'ai frappé avec la pelle. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris. Que je l'avais tué. Non, 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 s'il vous plaît.
J'ai passé la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'étais en garde jusqu'à 4h du matin. J'ai reçu ton message seulement après. Il a une bronchiolite aiguë. Ils l'ont branché dans tous les sens. Sonde gastrique, intraveineuse, masque à oxygène. Je peux y aller ? Non. Il vient juste de s'endormir, là. Il est épuisé, il a eu une séance de kiné respiratoire, j'ai jamais vu un truc pareil. Le kiné l'a tourné, manipulé, pressé. On aurait dit un morceau de viande. Quentin pleurait, il bavait. Il était plein de mucus. Quand je pense qu'il va devoir subir ça 2 fois par jour pendant 1 semaine. C'est ma chérie, on se parle. C'est juste que là, on n'a pas le temps. Bonne journée. Bonne journée, papa. Et pour mon anniversaire, vous serez là tous les deux? Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le père de François avait déclaré que c'était Mercier qui avait écrit ces cartes. Bah là, on vient de recevoir les conclusions de l'analyse graphologique qui sont formelles, c'est l'écriture d'une femme. Une femme ? Cologne. Merde.
Allô, Guillaume, c'est Clara. Non, c'est la messagerie de Guillaume Barrault. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Merde. Allô? Allô, Fred, je suis à Verdun. Quoi? Non, mais attends, tu te fous de moi, là? Je suis enfermée et m'oubliée dans la gendarmerie. T'es même pas capable d'être là pour l'anniversaire de ta fille? Mais Fred, je te jure que je vais rentrer. Tu te rends compte de ce que ça signifie pour elle? Mais Fred, écoute-moi. Bah, elle tombe de sommeil. Fred! Mes parents s'en vont, salut. Papa! Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez mise dans un placard pour qu'on m'oublie. Résultat, on m'a oubliée. Je suis restée coincée ici toute la nuit. Votre bureau, c'était le seul endroit confortable, alors pour une fois, j'allais pas me gêner. Vous allez m'appeler? Vous croyez que j'ai pas essayé? Personne n'a décroché. Tenez, vous n'avez rien mangé. Non mais vous croyez m'amadou avec des chouquettes? De toute façon, plus rien de matin maintenant. Ma fille a fêté son anniversaire sans moi. Mon bébé a failli mourir et... mon mari va probablement me quitter, donc... Tenez. C'est vrai, on a un métier rude pour ça. Difficile avec les familles. Ça. Dites-vous juste que vous êtes un bon flic, capitaine Mérézé. Moi, parfois, je peux être une vraie tête de con. Ça, je vous le fais pas dire. Mais je m'en fous, moi, de tes excuses à la noix. D'ailleurs, tu sais quoi, je te crois même pas. Écoute, arrête, Fred, s'il te plaît. Quoi? Quoi? C'est toujours pareil avec toi. On a quitté Paris pour avoir une vie plus calme et... Non. On a quitté Paris parce que c'est toi qui as postulé pour l'orchestre de Nancy. Non, parce qu'on n'y arrivait plus, Clara. Au moins ici, il y a mes parents. Mais je m'attendais pas à ce que ça recommence. T'étais rentré à pas d'heure, ton boulot, là, qui nous bouffe. Mais attends, là. Excuse-moi, mais fallait pas épouser une flic. Oui, je sais. C'est pas honnête de t'en vouloir, mais je peux pas m'en empêcher, Clara. C'est comme ça. Quand j'étais aux urgences avec Quentin, j'ai pas arrêté de me demander en boucle pourquoi t'étais pas là. Pourquoi, à 11h du soir, j'étais seul? J'y arrive plus. J'arrive plus à t'attendre. Et alors? Alors, je vais aller chez mes parents un moment. Avec les enfants aussi, c'est mieux pour eux. On est toujours là pour toi, Clara. Et toi? T'es là pour qui? Bonjour.
Qu'est-ce que tu veux, Clara? C'est mon dernier jour, je retourne à Nancy. Je suis venue te dire au revoir. Bon voyage. Je pouvais pas partir sans avoir trouvé une réponse à ça. Je sais qui les a écrites. Je suis pas sûre d'avoir envie de savoir. Mais si tu sais pas, dans un an, dans deux ans, dans 10 ans, tu seras toujours rongé par le doute. L'expert graphologue est formel, c'est l'écriture d'une femme. Toutes ces lettres viennent du même quartier de Cologne. Tu connais celle qui les a écrites? Regarde le style des lettres sur l'ardoise. Les B, les P, les F. Je n'ai jamais réussi à t'en parler. C'était à ton père de le faire. Il s'inquiétait pour toi. C'est pour ça qu'il m'a demandé de les écrire, pour que ta mère te manque moins. Tu connais papa depuis longtemps. C'est dur de te raconter ça comme ça. Andréa, s'il te plaît. On a eu une liaison ensemble après que ta mère soit partie. À cette époque, j'étais guide et je venais 3 fois par mois pour emmener les Allemands sur les champs de bataille. Ça a duré 10 ans. Mais on ne s'est pas quitté en de très bons termes. C'est-à-dire? Je ne veux pas que tu penses que je dis du mal de ton père. Ça va, il est en prison. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit des choses atroces. Il avait bu. Il m'a menacée. Il a été violent? Il m'a dit que j'étais une sale traînée, comme sa femme. Il savait qu'elle le trompait. Vous ne nous avez pas tout dit, monsieur Gilbert. Nous savons que c'est Andréa qui les a écrites et pas Jean Mercier. Vous saviez déjà à l'époque que votre femme avait une liaison avec lui. Ce n'est donc pas ce 11 novembre que vous l'avez appris. Vous avez menti. Vous devez la vérité à votre fils, monsieur Gilbert. 35 ans sur un mensonge, c'est long. Je sais que vous tenez à lui, alors vous lui devez bien ça. Même si la vérité est terrible, il a le droit de savoir ce qui est arrivé à sa mère. Je vous en prie, faites ça pour lui. C'est vous qui avez tué Jacqueline. Oui. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir enlevé une mère à son fils. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jacqueline a voulu me quitter. Elle m'a tout avoué un soir. Elle allait vivre avec Jean, emmener mon fils avec elle. Elle m'enlevait tout en un claquement de doigts. Alors je... La douleur et la rage étaient trop fortes. Je l'ai attrapée un peu trop violemment. Elle était sur le palier en haut,
avec sa valise prête à partir. Elle a chuté dans l'escalier et s'est fracassé le crâne contre la rambarde en fer forgé. Voilà, tout s'était fini. Un stupide accident. Ouais. Pourquoi vous n'en avez pas parlé à la police ? À cause de François. Je ne voulais pas voir dans ses yeux qu'il avait tué sa mère. Alors vous l'avez enterré à Besançon. Quand j'ai appris que François allait faire des fouilles là-bas, j'ai paniqué. Je me suis dit qu'il allait la retrouver. Alors j'y suis retourné. J'ai cherché, fouillé, essayé de trouver l'endroit où je pensais l'avoir enterré. Et c'est là que Jean est arrivé. Je me suis dit qu'il allait tout comprendre. Tout ça est à cause de lui. Je voudrais pouvoir parler à mon fils. Il a fait de moi un orphelin et un fils d'assassin. Rien à lui dire. Je suis honoré et ému, je l'avoue, de reprendre la place de Jean Mercier comme maire du village de Besançon. Ce jour du 21 février est symbolique. C'est l'anniversaire du début de la bataille de Verdun. À 7h du matin vont débuter les bombardements qui ne vont plus cesser pendant 10 mois. La souffrance endurée par les hommes sur le champ de bataille est inimaginable. Il reste encore beaucoup de fantômes ici, sous nos pieds. Des vies perdues, des destins inachevés. Besançon a une résonance particulière pour moi. L'histoire personnelle rejoint toujours la grande histoire. Il faut qu'on se souvienne, et je suis là pour qu'on n'oublie pas. Félicitations. Merci. Je suis très fière. À ce soir. À ce soir. Et salut. Félicitations. Félicitations, monsieur le maire, s'il te plaît. Allez, file. Félicitations. Eh ben merci. Je suis content que tu sois venu. Ah, je pouvais pas rater ça. Ça va, toi? Oui, ça peut aller. Fred habite toujours chez ses parents. J'espère qu'on s'en sortira, je fais tout pour. C'est toi le chasseur de fantômes? Ma fille, Léonie. Salut Léonie. J'ai vu que t'avais fait la connaissance de mon chien. Mais les poilus sous la terre, c'est des chiens comme le tien? Non, c'est des soldats. C'est vrai les fantômes? Viens, je vais t'expliquer. Pas peur au moins? Non. Alors là, tu vois, on est sur la grande route. Avant, il y a un village. Et puis, il y a eu la guerre. Maman,